Et salut à tous, c'est Zeki. On se retrouve pour un petit jeu mobile. Ça s'appelle Lords Mobile. C'est. Comment dire? Je sais pas s'il y en a qui connaissent. FOE, je crois. Non. Non, je pense pas que c'est FOE. C'est mon avis, c'est. Gray Police. C'est à peu près la même chose, mais en plus complet. Et évidemment, en plus pay to win, pay pour gagner. Mais vachement plus équilibré, les développeurs donnent beaucoup de la monnaie virtuelle. Ils en donnent beaucoup, hein. Bah, j'en ai tellement eu que j'ai carrément utilisé au moins 1000 gemmes, hein. J'en ai 530. Tout ça. Bref, comment ce jeu se passe? Voilà, ça s'est fait. En gros, au début, vous avez ces parties-là, le château et les bâtiments autour et la comment ça s'appelle, les remparts. Ensuite, vous devez utiliser des moyens de ressources pour créer de la ressource et ensuite avoir plus en plus de bâtiments, voilà les manoirs qui permettent d'avoir des sous, la carrière, les casernes qui permettent de créer beaucoup plus de soldats, les infirmiers, oui je crois que c'est ça, ouais, infirmerie qui permettent de soigner quand on défend, ça soigne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a aussi des petites recherches pour. Parce qu'on a un petit héros, c'est en haut à gauche. On a un héros, tout ça, et on doit. Et à chaque level, on a un ou. Je crois que les 10 premiers levels, c'est 3 points de talent, et ensuite c'est 4. J'ai déjà débloqué tout ça. Au début, j'ai un peu tryhard les vitesses d'entraînement, les recherches, tout ce qui permet d'économiser du temps. Ensuite, ça, c'est. Est-ce que je peux pas encore le mettre parce que c'est le level 29. Il me faut 3 levels encore. Je suis d'ailleurs bientôt level 27. Je vais me faire une petite recherche. Est-ce que j'ai assez pour faire une petite recherche? Ah oui, je pense pas. Ouais, non, j'ai clairement pas assez. Il faut beaucoup plus d'or. Pas stocker autant. Bref, en économie, je peux pas avancer. En défense, je suis à fond. En militaire, par contre, là, je suis un peu à HS. Je me sens que je suis à HS. Rapport de renseignement. J'ai pas assez. Puissante d'infanterie. J'ai assez. Bah, faire recherche, regardez le temps original, c'est 1h51 et grâce aux moyens de qui permettent de réduire le temps de recherche et de construction, tout ça, ça m'a réduit quand même un bon pourcentage. Ça. Et sachant il y a aussi le petit moyen qui permettent à eux d'avoir un petit peu de sous, c'est le VIP. C'est simple, déjà on t'en donne rien que si tu te coupes tous les jours. Tout ça, et en plus, regardez, accélération gratuite sur 13 minutes, c'est-à-dire dès qu'il reste 13 minutes, c'est gratuit. C'est bon, elle est faite, la construction. Enfin,
Le temps est fait. Sur les... Par contre, c'est sur les constructions, les recherches, et il me semble qu'il y a aussi un truc. Il me semble qu'il y a encore un truc. Bref, j'ai aussi. Il me faut un truc sur les constructions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une petite mine, je crois. Tac. Est-ce que j'ai assez? J'ai assez. 1 heure. Ouais. Moins les 13 minutes, ça me ferait 47 minutes. Exactement. Et ensuite, pour bien faire en sorte que tu restes, t'as des coffres quasiment entre tous les 10, entre 5 et 10 minutes, un petit coffre. Voilà. Tout ça. Pouf. Et je trouve ça assez, comment dire, assez ingénieux pour que les joueurs puissent rester un nombre inestimable de temps sur leur téléphone grâce à cette technologie. Vous pouvez voir, j'en ai plein. Regardez, j'ai 19 19 fois 10K de minerai. J'en ai eu 19. C'est assez pute de leur part, mais bon, ça c'est, ils ont réussi leur coup. Moi, je suis plein dedans depuis au moins 3 jours et je suis assez satisfait. Ça les aide, c'est quand on est dans une guilde, il y en a. Quand quelqu'un vous aide, il vous apporte 1 minute de moins en temps en moins. Et je pense que ça peut aller jusqu'à 15 minutes en tout, maximum. Il y a aussi des petites quêtes. Il y a beaucoup de contenu par contre dans ce jeu. Regardez ça, qui permet d'avoir beaucoup de ressources. Tac. Et il y a aussi une autre phase de jeu, c'est la phase des héros. Ça, c'est la seconde phase. Par contre, je sais pas si je pourrais me la faire celle-là. YOLO, je la fais. Je pense que je peux la faire. Voilà, j'ai déjà 7 héros sur je sais pas combien, une puissance de 3000, qui est pas mal. Bon, par contre, c'est pas vous qui contrôlez les héros, c'est l'ordi. Hein. C'est une intelligence artificielle. Voilà, tac. Et hop là, et on peut activer leurs compétences pour défoncer le cul à tout le monde. Là, il y a le boss, toc. Cela. Bon. Je soigne tout le monde et j'ai gagné, il me semble, dans quelques secondes. Ah non, il en reste un. Et voilà, et on gagne du butin à la fin. Il y a une grande paille, ils ont réussi à mettre beaucoup de contenu dans leur jeu, et ça, je trouve assez génial. Assez génial de leur part. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas de relique. Parce que à chaque fois, vous avez vu que j'ai eu du butin. Et le butin, c'est là-dedans. Donc, j'en ai pas beaucoup. J'ai tout ça. Bon, moi, je dis pas beaucoup, mais j'ai tout ça. Tout ça, ça permet d'équiper les héros. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre part comme moyen de...
bien s'occuper. Il y a bien sûr une petite quête qui permet d'occuper quelques minutes. Ensuite, ces minutes, vous allez les occuper grâce à Jukov et vice-versa. En gros, moi j'y passe un temps fou là-dessus au début. En gros, au début, j'ai décroché mon téléphone au bout de 5 heures de jeu. Ce jeu m'a absorbé beaucoup de temps. Oh là là. Et j'ai une petite quête que je voulais vous faire ensemble. C'est il faut que j'espionne. Et tiens, malheureusement, là c'est la partie la plus buggée. C'est pas un bug d'affichage. Enfin, sur le jeu, oui, mais pas sur YouTube là. C'est pas un bug d'affichage. C'est bien noir. Mais de temps en temps, si je bouge un peu par-ci par-là, ça va essayer de rafraîchir, mais en vain. J'ai peu d'informations malheureusement. Ça c'est chiant par contre. Il y a juste ce truc-là qui est chiant. J'espère que les développeurs vont faire quelque chose. Toc, ah regardez, là c'est le dernier coffre de la série de 20. Vous avez 5 récompenses d'un coup. Et ça peut être loin. Et des fois, il y a des joyaux. J'en ai eu 2 fois. Et ça c'est bien, bah, il reste dans 2 minutes, temps de faire quelque chose en attendant. Il y a toujours le temps de faire quelque chose en 2 minutes dans le jeu, c'est ça qui est assez. Tac, et y a aussi la zone des guildes. Moi j'ai pris une guilde au pif. Hein. Française comme ça au moins j'ai ça pour ceux qui veulent wow, excusez-moi pour ceux qui veulent le truc c'est Zrin Club je sais pas trop comment ce que c'est qu'est-ce que c'est hein. Et il y a aussi des pièces quand vous par exemple quand vous aidez les joueurs ça vous donne 400 pièces quand vous faites des caisses des quêtes de guildes ça vous donne entre 500 et 100 pièces et c'est très bien ce genre de truc moi j'aime bien en tout cas c'est pas vraiment un jeu pay to win, c'est pas du tout. C'est loin d'être ça. Et parce que à mon avis, si vous voulez faire un truc à la Clash of Clans, ça j'aurais pas certainement joué. Même si j'ai l'appli Clash of Clans, mais bon, à cause de cette appli, oh, je n'y joue plus. Regardez là, j'ai 5 fois 5000 de bois. Et ces trucs-là, ils sont directement mis dans mon sac. C'est lorsque j'ai besoin de ressources. Par exemple, truc qui utilise des ressources. Je pense que c'est ça. Ça utilise des ressources passées, je pense pas. Malchâteau, logiquement. Ah bon, j'ai assez en ressources. Ah, j'ai juste assez en fait. Je crois que je vais le faire après. Je vais passer le level 8 après. Après, ça va me débloquer des trucs. Là, je bloque un peu.
Parce que des fois, il y a des trucs qui utilisent. Ah, c'est surtout les recherches. Ah oui, tout à l'heure, ça m'avait fait. C'est surtout les recherches que vous avez besoin. C'est pas celle-là, il me semble qu'il y a une recherche que je peux pas faire. Ah, la vitesse de construction, celle que j'essaie de faire. Tac. Regardez, il manque. Là, ici, il manque du minerai et de l'or. L'or, j'ai pas assez parce que je peux pas parce que c'est. Ma réserve peut être jusqu'à 87 000, un truc comme ça. Mais par contre, le minerai, je peux. Et si je peux, je clique sur la petite croix. Et ensuite, je fais utiliser 10 000 minerai. Encore. Jusqu'à ce que j'ai assez. Et ça, je trouve ça assez ingénieux. Ça évite d'attendre les ressources. Pas comme à la Clash of Clans. Je vais essayer de trash sur eux. Tac. Bref, ah bah tiens, on va terminer sur ça. Hein. Je vais récupérer ce coffre. Regardez, tellement que je suis qu'on est occupé à faire des trucs que voilà. Il y a tellement de contenu là-dedans. Regardez, la vitesse de construction, pouf, à 40%. Production de pierre, j'en ai pas besoin. Production de bois, j'en ai pas besoin. Le minerai, j'en ai besoin. Voilà, tac. Je collecte et on va se dire à la prochaine. Voilà, punaise, 17 minutes. Oh. N'hésitez pas à me follow sur Twitter là, tac. Je pense assez. Je suis assez régulier sur ce réseau social. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Justement. Bye. Pourquoi j'ai une voix comme ça? J'ai une voix malade. J'ai mal à la gorge.